Est-ce que vous êtes rémunéré quand vous êtes sur la Starac? Ouais, on a un contrat de travail. Comme un artiste, ouais, quoi. Ouais, exactement, classique. Basique, voilà. Et donc, du coup, t'apprends à pas dire de marque aussi, parce que t'as pas le droit à la télé. Eh, pas dire de marque. Donc, pâte à tartiner, noir gazeux. Oui. Attends, noir gazeux, c'est quoi? Ouais, ça, c'est Hassen, il a sorti ça, je crois. C'est du coca? Ouais. C'est vrai que j'avais vu dans une quotidienne, je crois que c'est Léa qui disait « passe-moi la pâte à tartiner » et je me suis dit « ah putain, c'est vite mis au truc ». Parce que quand tu dis une marque, c'est quoi, il y a quelqu'un dans... Non, pas du tout, non, mais on sait que c'est galère pour eux, pour tous ceux qui font les montages, etc. D'ailleurs, je remercie le pressing puisqu'ils m'ont recousu un jogging et franchement, merci beaucoup, j'étais surpris. Merci, ça faisait 4 ans qu'il était décousu. Non, mais tu sais, c'était un jogging vraiment fétiche, tu vois, porte-bonheur. Alors oui, il y avait des petits trous, mais comme je danse, je fais du breakdance, etc. J'ai laissé les petits trous, mais quand je fais une punaise, mais mon jogging, il est... Bon, voilà. Entre nos cours, on n'avait pas le temps de faire à manger, donc il y a des gens qui nous préparaient des gratins de pâtes ou autres, et franchement, merci pour tout.